Pulsion phonique. Entendez-vous cette jolie mélodie? C'est Pitocha qui sifflote pendant qu'il met au point sa dernière invention. Lui qui est si doué avec les bruits, qui peut faire des merveilles avec les sons, il invente le vélo à propulsion phonique. Avec ça, je pourrais aller au bout du monde. Ce vélo avance grâce à l'énergie phonique. Les sons font vibrer la mécanique. Le vélo entre en harmonique et applique les principes de la dynamique. En bref, il se met à avancer dès qu'on lui chante ou qu'on lui joue une jolie mélodie. Et Pitocha s'y connaît en belles mélodies. Il en a plein ses tiroirs. Quand tu entendras cette mélodie, il faudra tourner la page. Oui, vas-y. Tu peux tourner la page. De drôles de mots. Un matin, il reçoit la visite d'une étrange bête poilue au langage confus et pressé. Une paresseuse, plutôt agitée pourtant, se tient là et le supplie. Pitocha, j'ai couru jusqu'à toi. J'ai besoin de ton plaid. J'ai besoin de ton aide. On m'a dit que tu soignais les gens des maux de ce monde. Grâce à ton talent de jongleur de bruit, tu règles les gros et les petits soucis. Est-ce vrai? La paresseuse a une bien étrange manière de parler. Je viens de la forêt lointaine, tout là-bas, où l'on m'a parlé de toi. J'ai pris mes slips et mes claques, enfilé une perle de chaussettes, pris ma gourde d'escampette et j'étais prête. Me voilà, cher Pitocha. Cette paresseuse est bien amusante, mon foi. Ma foi, oh. Je ne vais pas m'y mettre, moi non plus. Il faut tourner la plage. J'ai dit, il faut tourner la plage. La page. La paresseuse amoureuse. Et qu'est-ce qui te cause tant de tracas que tu as cru bon de venir jusqu'à moi? Je suis tombée amoureuse d'un oiseau d'eau bleu. Mais je n'ai jamais pu lui dire. Il est tout là-haut, tranquillement installé sur sa canopée. Les papates croisés, il ne bouge pas d'un poil, d'une plume. J'ai pris une bonne révolution.